deuxième congrès universitaire qui pourra le dérouler 8 et 9 mai dans l'hôtel Le Plaza. Mais tout d'abord, permettez-moi de prendre un petit temps pour remercier la presse pour le support que vous avez bail l'église là dans le moment kidnapping près de vous. C'est grâce avec travail de mobilisation que vous avez nous fait qui permet que nous arrivions sensibiliser l'opinion publique là, arriver à la fin, à la libération totale de missionnaires qui ont été kidnappés. Le congrès que nous allons faire, il peut être fait dans un contexte qui n'est pas facile. D'ailleurs, en pile fois, en pile monde déclaré que Haïti na Italie, c'est un État qui en faillite. Tout le monde constate état lamentable situation pays. Il y a une crise institutionnelle qui est généralisée. Et au final, on a dit par quelqu'un côté encore ou capable de manger dans le pays d'Haïti qui a gagné maligne. Il y a une crise politique aiguë depuis environ 3 ans. Il y a également une crise économique qui sans pareil. Haïti vit incontestablement pays qui est pauvre au niveau de l'Amérique. En pile fois, années d'études universitaires, ils ont gaspillé, pas gagné progrès intellectuel. Université est dans un état lamentable. Contexte également sociopolitique là, est stressant. L'esprit en pile jeune pas tourné vers les études encore. Insécurité a nous capable constater nous toutes les terribles. Et depuis environ 30 ans, nous pensons que c'est forme d'insécurité qui est terrible que le pays a les connaît. Surtout avec dernière forme insécurité sous forme kidnapping là, qui va épargner personne. Son pays côté avec insécurité ça qu'il y a kidnapping là, mais une destruction totale de économie familiale, une destruction totale de force morale familiale, et ouais que la peur y envahit tout l'esprit. L'autant qu'on gagne des facultés qui travaillent jusqu'à 7h, 8h, qu'on a fait 4h, tout le monde se cherche au côté pour mettre des corps parce que la peur envahit le pays totalement. Il y a une violence sans pareil dans les quartiers populaires, tout le temps c'est meurtre, c'est assassinat. Il y a une bataille politique sans fin. Il y a une peur également de s'exprimer. Il y a également une incapacité pour la classe politique pour être capable de dépasser la tête. Chita, une garde l'autre et essayer de parler. Donc c'est dans le contexte global ça que nous mettons le congrès. Côté, en tant que responsable de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, l'église là, universitaire yo, pastorale là, a posé tête les questions côté université au passé, qui recherche qu'a fait actuellement dans le pays, qui réflexion approfondie que universitaire yo, université yo, professeur yo proposé, qui orientation universitaire yo joine pour yo réfléchir dans le contexte sociopolitique yo yéa. Qui rôle l'université au cas joué pour pays a pas fini dans faillite que nous rivière. Donc c'est dans le contexte là que pastoral universitaire là qui c'est service l'église catholique auprès de l'université, il proposait 12e congrès universitaire là. Congrès a fait 8 et 9 mai dans hôtel Le Plaza. Nous invité 300 étudiants qui a sorti dans différents centres universitaires Port-au-Prince et dans la ville de province. Pendant 2 jours, nous encadrons universitaires qui ont participé dans le congrès à 100%, et ceci à tous les niveaux, de la restauration jusqu'à ce qu'il y a besoin comme équipement pour participer dans le congrès. Nous arrangeons également pour que
quel que soit côté université haïtien en province comme à l'étranger, à travers Zoom, à travers le système que nous avons mis sur place, pour être capable de participer activement en dans le congrès. Et tout le congrès, ça, nous fait le développer autour de thèmes crise politique en Haïti, enjeux sur la vie universitaire.